Quelques informations pour la vie de notre communauté chrétienne. Il y a un projet de mariage entre Gabriel Maurice Diouf, domicilié à Golf Cité Douane de Gué-Djaouaï, à la paroisse Saint-Jean-Paul II, et Marie-Pauline Diassi, domiciliée à Norfois Cité BCAO 1, Villa D62, en cette paroisse Saint-Jean-Bosco. Les personnes qui connaîtraient quelques empêchements à ce mariage sont obligées en conscience de nous en avertir, ou est-ce qu'elles préfèrent en informer au plus tôt l'autorité diocésaine? Le mariage est prévu pour le 26 juin 2021, ici même à Norfois Saint-Jean-Bosco. Deuxième publication. Il y a projet de mariage entre Denis Manuel Mendes Brito, domicilié à Sicap, rue 10, en la paroisse Saint-Pierre de Baobab, et Delphine Stella Miquette, domiciliée à Norfois Diaxao, en cette paroisse Saint-Jean-Bosco. Les personnes qui connaîtraient quelqu'un empêchement à ce mariage sont obligées en conscience de nous avertir si elles préfèrent en informer au plus tôt l'autorité diocésaine. Le mariage aura lieu le 24 juillet 2021. Première publication. Justement, à propos des mariages, j'ai rappelé, je l'ai dit, on ne se lève pas un matin et puis on se marie. Ce n'est pas si un coup de tête. Il y a des préliminaires à faire. Avant de faire la cérémonie à l'église, il y a des préliminaires. Donc, il y a la formation. Il y a la formation, l'école des couples. Et ça se fait au martyr. Donc, il y a des gens encore qui continuent toujours de venir me voir. Ils se lèvent, vous mariez quand? Le 2 juillet. C'est-à-dire, ils viennent me voir aujourd'hui et ils se marient le 2 juillet. Même si vous êtes tous amoureux l'un de l'autre, ce n'est pas comme ça qu'on se marie. Il faut attendre d'abord, il faut aller se former. On va prendre tout le temps, on va bien discerner, on va bien regarder. C'est compris, on va prendre tout notre temps. Il ne faut pas venir nous m'embrouiller pour se lever comme ça, sur un coup de tête, on se marie. On se prépare. De toute manière, quand on dit, l'Église dit, il y a ce qu'on appelle le sacrement en puissance. Dès l'instant où vous avez décidé de vous marier, c'est comme si déjà vous êtes marié. Donc Dieu est déjà, le désir est, donc il faut se préparer. Donc ce n'est pas la peine de courir. Doucement. Doucement. Allons-y doucement. Vous avez compris? Doucement. Chaque chose a son temps. Il ne faut pas forcer Dieu. Allez doucement. On fait la préparation. On vous suit. On décide tranquillement. Donc c'est 3 mois, au moins 6 mois au plus. Et puis on va tranquillement, doucement. Donc il ne faut pas la peine de se précipiter. Après, c'est pour aller se taper les pieds, lancer les pieds. Bon, ça c'est une parenthèse. Il y a les macrobains ici. On a annoncé les fioritures de spiritualité de macrobains. C'est très bon. Marthe et la prière. Marthe et la Vierge Marie. Marthe et la croix. Marthe et l'amour. Marthe et l'humilité. 500 francs l'unité. Les 5 font 2500. Il faut prier, il faut prendre, il faut lire, il faut prier, prendre, vous lisez, et vous, à l'intérieur vous priez, vous allez voir. Je vous dis, personne ne peut dire j'ai prié et puis Dieu n'a pas écouté. Si tu dis Dieu ne l'a pas écouté, c'est que tu n'as pas prié. C'est que tu ne pries pas. Il faut prier, Dieu va t'écouter. Vous avez vu, donc vous avez ça à la sortie de l'église, c'est pour soutenir justement des travaux au foyer de charité qui se trouve du côté du sud là-bas. Le foyer de charité de Matrobin, pas celui d'ici, pas celui qui est à Dakar. C'est celui qui est au sud. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Et vous avez placé notre confiance en Dieu et en sa parole. Le curé nous parle. Nous avons aussi la méditation de l'évangile du jour d'après Efata. Et nous avons surtout la catéchèse du pape François de tous les mercredis. Le pape François dit ceci, il dit c'est inhumain, c'est l'expression qu'il a utilisée. Il dit c'est inhumain que quelqu'un dise qu'il n'arrive pas de prier, qu'il n'arrive pas à prier parce qu'il n'a pas le temps, il est trop chargé. La personne dit elle est trop chargée, elle n'arrive pas, elle ne trouve pas le temps pour prier. Il dit c'est inhumain, c'est-à-dire un être humain, quelles que soient tes charges, tu dois pouvoir prier. C'est-à-dire un homme créé par Dieu doit prier. Notre création, le fait même d'être des humains, notre vie doit être priée. Personne ne peut prier pour toi. C'est toi-même qui dois prier pour toi-même. Donc le pape nous invite justement à ça. Quel que soit le travail que nous avons, quelles que soient les multiples occupations, nous devons trouver un temps pour prier. Et d'ailleurs, il dit que la prière, c'est la prière qui soutient le travail. C'est la prière qui soutient notre travail. Et il faut prier. Une prière saine nous donne une vie saine. Une prière qui nous sépare du concret de la vie
devient du spiritualisme et du ritualisme. Ça veut dire que quelqu'un qui prie, par exemple, moi je suis prêtre, et puis je prie pour ma femme. Il y a un problème. Un prêtre qui prie pour femme, il y a un problème. C'est-à-dire que, il est dit que le prêtre ne se marie pas. Donc le prêtre, il prie pour ses fidèles, pour ses paroissiens, pour son église, pour son ministère, pour les voilà. Et le couple prie pour son couple. Un célibataire prie pour avoir un mari. Une célibataire prie pour avoir un mari. Un élève prie pour ses études. Maintenant, toi, tu es élève. Tu pries pour avoir une voiture. Pour avoir une maison. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut adapter la prière à notre vie, à nos circonstances. Je suis malade, je prie pour ma guérison. Hein? Je ne vais pas prier pour la guérison de quelqu'un d'autre. Il faut prier pour ta propre guérison si tu es malade. Si tu n'es pas en bonne santé, tu confies cela au Seigneur. Donc Dieu, il voit ton état et il accepte ta prière. Mais tu n'es pas malade et puis tu pries pour ta maladie. Dieu va t'écouter. Vous comprenez? Donc, selon les circonstances de notre vie, nous devons prier. Le pape, il insiste là-dessus. Donc, il y a beaucoup qui ne prient pas normalement. Certains ne prient pas. Ou même, ils prient pour ce qui même n'est pas pour eux. Hein? Pas prier pour la maison du voisin, pour avoir la même maison que le voisin, tu n'as pas le même argent que lui. Comment tu peux prier pour avoir la même maison que le voisin alors que vous n'avez même pas le même salaire? Tu connais son salaire? Hein? Est-ce que tu connais son salaire? Quand tu vois sa maison, tu connais son salaire? La maison, c'est la dimension de son salaire. Donc, prie pour ta maison. Non? C'est selon ton salaire que tu pries. Ça, c'est une parenthèse. Donc, vous l'avez, la bonne nouvelle, au prix de 100 francs. Les servants d'hôtel sont convoqués pour le dimanche prochain à 11h. Hein? Dimanche prochain, après la messe de 11h, tous les servants d'hôtel, vous vous retrouvez pour une importante assemblée générale. Hein? Des servants d'hôtel, le dimanche prochain, après la messe de 11h. C'est compris? Voilà. Donc, sur ce, bon dimanche à tous et à toutes.